Vous auriez 2 minutes à m'accorder? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ok. Ça m'a l'air un peu trop facile. Argent? Donne. Où est le piège? Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Franchement, j'ai parfois l'impression que les gens pensent qu'on aime le danger. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez? C'est tout simple. Ouais, c'est tout simple, ouais. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Pourquoi êtes-vous installé ici, au milieu de nulle part? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre quatre murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Je vois. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont les plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Tant mieux. Tu me les donneras après. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'oublie pas que tu me dois des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un ennemi pareil? Là, on est vraiment dans de sales draps. Ah bah dis donc, on n'est pas dans la merde. C'est la guerre. Ils ont pulvérisé nos défenses en quelques minutes. Incroyable. On avait pourtant demandé de l'aide à Exogénie. Et ils ont fait la sourde oreille. J'aurais fait pareil. J'espère que vous allez nous sortir de ce foutoir. Tu espères ou tu dors? Parce que tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a l'air d'essayer de dormir. On s'est enfui quand les guettes ont attaqué. Oh, Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Il est tout seul sur le bord du muret, ça me... Voilà, ça me fait rire. Que puis-je faire pour vous, commandant? Ah non, non, je... rien. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. À tout à l'heure. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Dans quelques semaines, tous ces colons auront oublié l'existence de cette planète. Ça va, c'est bien. Vous êtes motivés, les mecs. Allez, c'est parti. Wow, wow, wow. Ça va se payer tout ça. L'autoroute grouille de guettes. Colis récupéré. On dégage. Polonium. Oula. Par contre, on récupère que des modes contre les organiques, alors c'est sympa, mais ça va pas nous servir. Ça nous servira peut-être plus tard, mais là tout de suite. Là tout de suite, les modes contre les organiques, on s'en fout quoi. Silence radio. Des guettes en approche. Silence radio, bordel de merde. Silence radio, bordel de merde. Ah bon. Sors. Tu veux pas? J'étais là, je me cachais, et puis tout d'un coup, je suis mort. C'est normal. Par où on descend, là-haut? Ah, c'est par là.
sors ta petite tête. La sort pas, apparemment ça passe à travers quand même. Tout va bien. Alors, il y avait rien à looter au-dessus? Non. Putain. Je comprends que mes... mes compagnons soient en galère. Parce que déjà, moi, j'ai du mal à me déplacer dans ces couloirs-là. Ah! T'as trouvé une armure, Krogan. Est-ce qu'elle est mieux que celle que tu as, Rex? Ah, elle est clairement moins bien. Et comme elle est clairement moins bien, je la transforme. Le Hurricane 3, vous avez tous mieux. Voilà, ça nous fera un petit coup d'omnigel si jamais on a besoin d'ouvrir un truc. Il y a rien là, non. Go! Récupérons le Mako. Alors, je suis désolée, c'est vrai que là on n'est pas dans une ambiance blabla, fun, on papote, on rigole. Mais en même temps c'est tellement plus sympa d'éclater la gueule des guettes. Mon Mako là-haut. Voilà, pas comme ça qu'on fait. Ça pue le trap. Ils n'ont pas traîné pour s'installer. Une fois à l'intérieur, la résistance sera vraiment acharnée. Ça ou pas? Ok. Avancer par là. Super sombre. Allez, on y va. Tali, t'es prête? On sait jamais sur quoi on peut tomber. Un champ de force.
Une tactique typique des guettes. Il faut trouver une autre voie d'accès. Ok. La porte là-bas, tu peux l'ouvrir, Tali ? Est-ce que tu peux m'ouvrir cette porte, Tali ? Je l'ai fait à ta place, du coup. Très utile. Ça, j'ai pas très confiance. Exosquelette. Ah, je m'en doutais. Très bien. Ça va. On va faire un peu de ménage. Ok. Je doute qu'il y ait des survivants. Les guettes ne font rien à moitié. Il y en aura, je te le dis, j'en suis sûre. On peut pas monter par là ? Donc l'entrée, ça va être... ailleurs. Ici, c'est tout fermé. Ok. Bon, je sais pas. Je sais pas où va être l'entrée. Dans le fond, là-bas, sans doute, mais je me rappelle pas avoir vu quelque chose, en fait. Aller par là en fait. Non. Merde. Bah merde, il y a une porte qu'on n'a pas vue. Alors là. Un mystère et boule de gum. Bon bah on rentre à la maison, on n'a pas trouvé. Le souci étant qu'il n'y a pas d'autre chemin pour le Mako. Donc c'est forcément ici. C'est forcément ici quelque part. Je réfléchis, mais... J'y réfléchis, mais je vois pas où je dois aller, en fait, là. Y a pas de trou au sol. Ah, là! Non? Pas de demi-tour possible après ça, commandant Shepard. Eh bah, c'était pas évident, quand même! C'était quand même pas évident qu'il fallait descendre dans un trou sur le côté. Bon sang! J'ai sursauté. Je suis désolée, je vous prenais pour des guettes ou des varennes. Ouais, bah tu m'as fait sursauter, ok. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau guette s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les guettes. Le problème, ce ne sont pas les guettes, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... Oh ? C'est pour les guettes que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le Taurien. Le Taurien ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Incroyable ! Une forme qu'est-ce de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Intéressant.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous savez où il se trouve? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette. J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les guettes sont partout. Je vois. Dites-moi tout ce que vous savez sur le Taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien, plusieurs milliers d'années. Et ben voilà, ils sont venus le chercher. Ne bougez pas, je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge, ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Bonne chance. Ta mère te cherche, au fait. Si ça t'intéresse de le savoir. Ces chiens de l'espace, quand même. Ils arrivent, ils sont beaucoup, ils vont vite, mais par contre, ils font pas mal. Enfin, ou du moins, j'ai pas l'impression, à part Tali qui s'est pris une mandale. C'est de là qu'on arrive, non? Ouais. Tali, excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais plus de vie, ma belle. Saloperie de machine. Deux bords d'accès fichiers cryptés. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin! Dis-moi ce que je veux savoir! Sinon, je te fais griller les circuits! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un.